Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. 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 Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Acclamer le roi de gloire. La Bible dit, ce ne sont pas ceux qui descendent dans le lieu du silence qui acclament le Seigneur. Laissez-nous les vivants qui adorons, qui acclamons le Seigneur. Alors si tu es vivant, acclame ton Jésus. Si tu es vivant, acclame ton Jésus. Oh, il est Dieu. Il est Dieu. Il est le Dieu qui parle. Il est le Dieu qui rachénit. Même si tu es devenu Dieu. Mais parce que lui il est vivant, parce qu'il est ressuscité de mort, il te rajeunit. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore une fois crier pour Jésus? Amen. Que Dieu vous bénisse, mettez-vous. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je salue la présence du Saint-Esprit parce qu'il est Dieu au milieu de nous. La Bible déclare là, deux ou trois personnes sont assemblées à mon nom. Je suis au milieu d'eux. Et nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ est au milieu de nous. Et parce qu'il est au milieu de nous, il va nous parler. C'est Jésus qui connaît la profondeur de ton cœur. C'est Jésus qui connaît la profondeur de tes pensées. Et c'est lui qui nous parle. Au moment opportun, il parle. Quand Jésus parle, ou alors pour que Jésus parle, il n'a pas besoin de gens venir lui dire qu'il faut maintenant parler. Il n'a pas besoin de conseiller, parce que lui-même est l'admirable conseiller. Alors il fait des choses comme il veut et à son temps. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce qu'on peut encore une fois de plus l'acclamer? Gloire à Jésus. Ce peuple de Dieu, un thème qui est intitulé la nuit de ton appel. La nuit de ton appel. Bien-aimé dans le Seigneur. Et le ténèbre nuit. Bien-aimé depuis votre naissance. Depuis ta naissance, tu as vécu, ça sera une nuit que Dieu va t'amener dans une autre dimension. Ça sera une nuit où Dieu va te faire entrer dans un autre monde. Dans le monde de révélation. Dieu, cette nuit, va te sortir dans le monde des logos. Personne, cette nuit, à partir de maintenant, donc c'est comme déjà tu étais dans la nuit. Dieu va t'amener dans une autre dimension. Et tu découvriras qui tu es et qui il faut faire. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, cette nuit, Dieu va changer ta situation. Dieu va essuyer tes larmes.
Dans mon canal, 1 Samuel 3. Du premier verset au dixième verset. 1 Samuel 3, premier verset à dixième verset. Mettons-nous debout. Tout est l'ennemi. Donnez gloire à la parole. Amen. C'est comme nous des chrétiens, nous sommes des soldats en Christ. Donc partout nous sommes, nous devons avoir notre Bible. Parce que la Bible c'est notre arme. Faisons la lecture. 1 Samuel chapitre 3 du premier verset au dixième verset. 1 Samuel chapitre 3 du premier verset au 10e. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, elle était couchée à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel couchait dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, « Me voici ». Il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Amen. 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 Mettez-vous en acclamant le Seigneur. Acclamez, acclamez le Seigneur. À la maison, vous allez continuer la lecture jusqu'à la fin. Amen. Amen. Ici, nous voyons, nous venons de lire la parole du Seigneur. On nous parle de Samuel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Samuel avait pour maman Anne. Et son père s'appelait Elkana. Anne était stérile. Nous connaissons bien l'histoire de Anne. Anne a souffert pendant sa stérilité. Alors, Anne, malgré la souffrance, Anne avait confiance en Dieu. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Malgré la période que tu es en train de passer, malgré la souffrance, malgré tout ce qui t'arrive, ayez toujours confiance en Dieu. Ayez toujours confiance en Dieu. Anne avait toujours confiance en Dieu. Par la prière et la foi qu'avait Anne. Un jour, Dieu a étendu sa main sur Anne. Comme il est les larmes de ceux qui pleurent. Comme il est le Dieu qui se manifeste à ceux-là qui lui font confiance. Dieu a essuyé les larmes de Anne. C'est-à-dire, tu vas lui donner le nom de Samuel. Alléluia. Parce que tu dois, il y a une personne qui va avoir son Samuel aujourd'hui. Aujourd'hui, par demain, aujourd'hui.
Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va. Parce que le Dieu que je te prêche est vivant. Le Dieu que je te prêche agit. Si tu crois en lui, si tu lui fais confiance, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Je peux continuer. Amen. Deuxièmement, le nom de Samuel signifie il s'appelle. Son nom est Dieu. Samuel veut dire son nom est Dieu. C'est un hébreu. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est-à-dire tu as la présence de Dieu. Et aujourd'hui, il y a la présence de Dieu dans une personne. Amen. Aujourd'hui, Dieu va se manifester dans la vie d'une personne. Et la Bible déclare, quand elle a enfanté Samuel, elle a pris Samuel, elle le donna à Dieu. Anne, Dieu lui a donné. Anne, le vivant. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque Dieu te donne, il faut lui donner. Amen. Je parle à une personne. Amen. Je trouve l'esprit. Il travaillait dans le ministère d'Élie. Mais même aujourd'hui, dans l'église, il y a le visionnaire. L'homme que Dieu a placé pour conduire son peuple. Et il y a aussi ceux-là dont l'homme de Dieu est en train d'encadrer, de conduire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit que Samuel était au service de l'Éternel dans le ministère d'Élie. Élie était le père spirituel de Samuel. Un chrétien dit enfant de Dieu doit avoir un père spirituel. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Je parle à une personne. Amen. Tu dois avoir un père spirituel. Alors, Élie était le père spirituel de Samuel. Mais la Bible nous dit que c'est bien que Samuel était au service de l'Éternel devant Élie, mais il ne connaissait pas Dieu. Il y a beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, beaucoup. Aujourd'hui, ils servent Dieu dans l'église, ils viennent à l'église, mais ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils servent, ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils viennent adorer. Oh, ils ont un baling ami, un Christ ébélé, il y a un consolé l'ensemble, 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 il y a un consolé l'ensemble. De leur père spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous voyons, il y a plein de personnes. Aujourd'hui, il est là devant le Seigneur, il sert le Seigneur, demain il se fatigue. Alléluia. Amen. Il vient à l'église aujourd'hui, il vient demain, il ne vient pas. Il mélange les choses du monde et les choses de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas Dieu.
La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, si je ne m'abuse pas, chapitre 9, verset 15. La Bible dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Dieu l'avait déjà établi et choisi. Maintenant, il restait maintenant que ça soit physique. Oh, pour que ça soit physique, Dieu devrait utiliser une personne, un guide, premièrement, et confiance à ton père spirituel, à ton pasteur. Parce que c'est lui qui va t'amener à la compréhension des choses de Dieu. C'est toi qui vas t'éclaircir pour comprendre la parole de Dieu. C'est lui qui va faire de sorte que tu arrives à une vision. La vision était rare. Alors si tu arrives à avoir une vision, il faut glorifier Dieu. Je veux te dire quelque chose aussi. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Il veut se manifester dans ta vie. Il va utiliser toujours ton pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On les posait sur les lieux très saints. Le lieu très saint, ce n'est pas un endroit où tout le monde pouvait monter, pouvait rester là. Mais Samuel ne savait pas qu'il dormait avec Dieu. De même aujourd'hui aussi, beaucoup des enfants de Dieu, ils ne savent pas qu'ils sont avec Dieu, qu'ils dorment avec Dieu. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui c'est une nuit, pas comme les autres. Aujourd'hui c'est le jour où tu vas découvrir les choses cachées. Aujourd'hui c'est le jour où Dieu va te révéler des choses cachées. Dieu va t'appeler aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Amen. Dieu appela Samuel. Pendant la nuit. Pendant que Samuel dormait. Pendant qu'Élie dormait. Je vais plutôt vous dire qu'il y a deux Élie dans la Bible. Vous devez comprendre qu'il n'y a pas un seul Élie dans la Bible. Il y a deux Élie. Il y a Élie le prophète. Et Élie le sacrificateur. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Il y a Élie le prophète qui était devant les 450 prophètes de Baal. Et Élie le sacrificateur qui était avec Samuel. Élie le prophète était avec Élisée. Élie le sacrificateur, lui avec Samuel. Oh, est-ce que quelqu'un comprend le Seigneur? Alléluia. Il est vivant. Dieu appela Samuel. Dit la voix. Comme Samuel ne connaissait pas Dieu. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Samuel, pour lui, il a compris que c'était Élie qui l'appelait. Samuel a pour naïe, ça a dit Élie, il t'appelait Kobengaye. C'est ton père spirituel. Tu peux avoir une vision. Dans ta vision, tu vois l'homme. Il s'est couché. Mais je vais vous dire une chose. Beaucoup de serviteurs de Dieu
Ils sont dans le service de Dieu. Mais ils ne sont pas des hommes de Dieu. Qui ne sont pas des appelés. La Bible dit vous les connaîtrez par leurs œuvres. Élie lui dit non mon fils. C'est pas moi qui t'ai appelé. Rentre te coucher. Samuel est parti se coucher. Après, il a entendu encore la voix qui l'appela. Samuel s'est réveillé. Il alla encore vers son père. Il dit, papa, tu m'appelais. Ah oui, papa, yo, ben, ingaï. Et lui, il dit, non, non, non. Elia, il dit, c'était moi, non, ingaï. C'est pas moi qui t'appelais. Nana, ben, guillotte. Rentre, c'est couché. Zonga, kende, kolala. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi vous dire, la Bible nous dit, Anne a donné son fils à Dieu. Il a dit ceci. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Il ne boira pas le poisson enivrante. Alléluia. Amen. Parce que à ce moment-là, chez les Nazaréens, pour être juge en Israël, tu ne peux pas te raser les cheveux. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas non plus boire de l'alcool, de boisson enivrante. Celui qui boit de l'alcool, celui qui se rase le cheveu, ne peut jamais être juge en Israël. Pour être juge en Israël, il faut avoir des cheveux. Pour être juge en Israël, il faut que ton âme, ton esprit soit propre saint. Alors, Samuel, le rasoir n'avait pas passé sur sa tête. Dieu l'appelle. Il se réveilla, il alla vers Samuel. Et lui lui dit, non, je ne t'ai pas appelé. Va te coucher. Il rentra. Azongi. Et pour la troisième fois, Yambalayamisato, Dieu appela Samuel. Zamba bengi lisusu Samuel. Samuel est allé vers Élie. Akei lisusu pa ya Élie. Élie a compris. Élie a discerné. A comprendre sosoli. Que cet enfant, oyo, Dieu veut faire des choses en lui. Dieu veut lui faire quitter le monde de Logos. Pour l'amener dans le monde de Réma. Personne ne peut t'expliquer les choses de Dieu, la révélation de Dieu, si ce n'est que ton Père spirituel. Élie a compris, a discerné. Il dit à Samuel, maintenant, va te coucher. Quand tu entendras encore cette voix, ne viens pas chez moi. Dis seulement, oui, Père. Oui, dis au papa. Ton serviteur t'écoute. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Samuel est rentré. Il a dormi. La voix l'appela pour une quatrième fois. Samuel, au lieu d'aller comme avant chez Élie, cette fois-ci, il n'alla pas vers Élie.
Maintenant, il est parti vers Dieu. Il a dit à Dieu, oui, je suis là. Ton serviteur est là. Parle, je t'écoute. Parle, je t'écoute. Aujourd'hui, Dieu va te parler. La nuit d'aujourd'hui, Dieu va te parler. La nuit d'aujourd'hui, Dieu va t'amener dans une haute dimension. Dieu dit à Samuel, je t'établis. J'ai quelque chose pour toi. Je t'établis prophète des nations. Tu vas parler à mon peuple. Bien aimé, quand Dieu donne la vision, quand Dieu appelle son serviteur, il lui donne la mission. Alléluia. Alléluia. Si c'est Dieu qui t'a appelé, qui va marcher dans la mission que Dieu t'a donnée. Amen. 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 Et si c'est Dieu qui t'a appelé, il va te donner l'assurance. Donc il va t'assurer. Il combattra pour toi. Parce qu'il sait que tu auras des combats. Les choses, les problèmes vont venir. Mais lui sera avec toi. Amen. 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 Dieu appela Samuel. Il dit à Samuel, je te donne la mission. Va dire à Élie. Va dire à Élie que je vais l'écarter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que je vais l'écarter pour les erreurs que ces enfants ont fait. Élie lui-même n'avait pas fait des erreurs. Mais c'était les erreurs de ses enfants. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, nous qui sommes des parents, nous devons bien encadrer nos enfants. Alléluia. Il est vivant. Qui? Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Samuel qui ne connaissait pas Dieu. Et aussi le langage de Dieu. Samuel ne le connaissait pas. Mais cette fois-ci, Samuel l'a connu. C'est parce que Élie lui avait expliqué. Pourquoi ceci? Pourquoi Samuel ne connaissait pas Dieu? Pourquoi Samuel ne connaissait pas le langage de Dieu? Parce que Samuel n'avait pas la révélation en lui. La révélation de Dieu n'était pas dans Samuel. Samuel n'était pas encore révélé. Lorsque tu n'as pas encore la révélation de Dieu, il te sera difficile de comprendre les choses de Dieu. Samuel avait seulement la parole logos. Alléluia. Samuel était à l'église. Mais il n'avait pas la révélation. Il avait plutôt le logos. Le logos, c'est quoi? Logos, c'est la parole écrite. La Bible. C'est la parole que je te prêche. C'est la parole logos. Mais la parole rhéma, c'est la parole révélée. Amen. Je veux comprendre. Amen. Amen.
Si c'est là, il t'amène une acclame des cieux. Samuel avait la parole logos. Qui est la parole écrite? Mais il n'avait pas la parole réma. Qui est la parole révélée? Bien aimé, beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre leur appel. Parce qu'ils ne veulent pas s'approcher de leur père spirituel. Ou de l'homme de Dieu que Dieu a placé devant lui. Dieu les appelle. Dieu les appelle. Mais au lieu d'aller vers son père spirituel, afin que l'homme de Dieu puisse lui faire comprendre, enseigner l'enseignement de la parole. Mais lui il s'enorgueillit. Là, il peine à te rappeler ma vision. Dieu aussi me révèle. Alléluia. Alléluia. La peine à te rappeler ma vision. Moi aussi, j'ai des revêtements. Dieu aussi me parle. Alors, il révèle l'orgueil en lui. La Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Bien-aimé, malgré votre âge, si tu es derrière ou dans le ministère d'un homme de Dieu, même si cet homme de Dieu est petit, moins âgé que toi, tu as droit à le respecter. Je parle à une personne. Amen. Je parle à une personne. Amen. Laisse-moi vous dire, mon père spirituel. Moi, je suis plus âgé que lui de 16 ans. Imaginez-vous. Alléluia. Amen. Ma femme est là. Moi, mon père spirituel, je suis plus âgé que lui de 16 ans. Papa, mais pendant qu'il me formait, je l'obéissais et jusqu'à ce jour, j'ai obéi. Il me donnait des travaux impossibles, mais j'obéissais. Il m'engueulait, mais j'obéissais. Mais c'est un petit que je peux tenir comme ça. Si c'est dans mes. Et à ce moment-là, je faisais du sport. Et puis, la table, alléluia. Mais laissez-moi vous dire, Jésus s'est changé ses enfants. Jésus m'a changé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamer le roi de Dieu. Un enfant doit hériter la richesse de son père. Est-ce que je peux pas acclamer le roi des rois? Acclamer, acclamer, acclamer. À cause de l'orgueil. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu appelle son serviteur, il manifeste contre lui. Élie a expliqué à Samuel. Et aujourd'hui, Samuel est devenu prophète. Nous le lisons dans la Bible. Samuel était devenu juge en Israël. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut t'amener dans une autre dimension. Samuel qui... Alléluia. Alléluia. Cette nuit, Dieu va t'appeler